Du musée, ça c'est une belle demoiselle qui vous dit encore une fois Toli. De l'autre côté, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Parce que là, on ne va pas tout expliquer, mais on sent quand même notre village, les femmes dans leurs travaux. Ce n'est pas parce que la directrice est une femme que vous voyez. Merci. Présenter ici les trois grands piliers fondamentaux de la culture des peuples du Fouta-Djan. D'abord, le musée du Fouta a été créé en 2001 suite à plusieurs constats. D'abord, l'État islamique du Fouta-Djan a accouché cet État à prospérer presque de 1000 Labé, et vous dire au nom de cette population que votre présence nous va droit au cœur. Et pour une première fois,
que ce ministre chargé de la culture pour le sol, ou comme l'a dit Ousmane Tunkara, le musée du Fouta. Et le musée du Fouta que vous avez eu l'opportunité de visiter aujourd'hui, qui résume les valeurs de la République de Guinée, qui résume les valeurs du Fouta Djalon. Et en même temps, au nom de cette population, vous priez humblement, monsieur le ministre, de bien vouloir prendre en charge ces musées. Ils sont en train de voler de leurs propres ailes. Le soutien n'existe presque pas. Et franchement, que ce soit vous, que ce soit nous collectivités, que ce soit les autorités régionales et préfectorales, je lance cet appel au nom de toutes les autorités, que nous fassions face à ce musée, parce que ce musée est en train aujourd'hui de valoriser. Nous avons vu nos valeurs culturelles sont en train de disparaître. Tout à l'heure, on vous a dit, montrer qu'il ne reste que deux artistes capables de jouer avec nos instruments. Et si ces deux artistes-là disparaissaient aujourd'hui, ce qui veut dire que ça, c'est la culture qui est en train de disparaître. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous terminerons par remercier très sincèrement Hadja Diana Boukoumantio Diallo qui est entré. Taoube, notamment Marta Paji Fouta, Aduna Long, so Yaltali Kamendo, on andata ko homboni Hadja Diana Boukoumantio. Ko sa yalti a andi a Paji Mendi. Hande sa nati leido a visiti ko ondo kon pop, a ande hino ilande ma mawbe membe hewti Fouta, ha fe ondo enendo ka wonde ndo, hibe mofti dum pop, jogiti, tala hewti do dobe holla ko dum do woni Fouta. Jogani do ma dum do, pelle tare ko fi men en pop be jokki, tare ko fari lay men en fo kadi tamba golbe. Ajjan enen kadi andi tangol goddo ta ko tuma mayo andi tete jaka hari ko goddo andi tan mo tawde ka wuri do andi tan ko mo tawde ka wuri do haray ko tamba golmo walli to mo bay pellet ko fi men on tigiri woni ko be jogi haray ko dum mi tori jamaa men sanni men tolni kala hewtu be do be men weltani ki on haray mo akke hakke si woni ko farja haray o yafoto o jetti kongol e inde labe haray ko karamu balfa mo labe o lonti o jetti kongol Allah waɗi zurriya karamu ko alfamu labbe hiɓe ɗo mbeɗen weltaniɓe ko ɗum waɗi haray min holluno meɗen holli kadi ha hin minen ɓe suɓuɗo yarɗo commune labbe o fewɗo ɗo no ka heɓɓore amen e ka faale amen yettaw mo naati labbe o yiya e mande o naati ka saare karamu ko alfamu labbe mbeɗen ɓeyɗi wattude ɗum kadi e zurriya karamu ko alfamu labbe watta ɗum kadi e sokeje jama labbe on mi andintinayi si tawi ɗum woni haray mutata fii karamu ko alfa mutata ɓay pellet kala tolnowo ɗo o innayi min tolni on ka saare karamu ko alfamu labbe. Je rappelle que lors de ma tournée européenne récente, nous sommes allés dans la ville la plus ancienne d'Allemagne, à Trier, la ville de naissance de Karl Marx. Mais dès qu'on est rentré dans la ville, on a vu tout ce qui parle de Karl Marx. Personne ne nous a dit que c'est la ville de naissance de Karl Marx. Donc nous souhaitons humblement que vraiment que des symboles soient érigés à la mémoire pour vraiment marquer l'histoire, pour que Karamu ko alfamu labbe soit vraiment, que ces symboles soient visibles dans la cité qu'il a eu vraiment la chance de fonder. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite. Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord dire toute ma voix d'être aujourd'hui dans cette rencontre culturelle. Avec un immense plaisir que je prends la parole au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Et à cette occasion, je souhaite rendre hommage aux organisateurs et pour tout le travail qu'ils effectuent en faveur du développement culturel de la Guinée. Cet événement témoigne des excellentes relations d'amitié et de coopération
qui unissent le Sénégal et la Guinée. Je suis persuadé que cette journée va permettre de rapprocher nos deux peuples pour une meilleure connaissance et compréhension mutuelle. Je souhaite que ce type de rencontre se perdure afin que nos deux pays continuent à partager leurs grandes richesses culturelles. Chers invités, l'histoire de la Guinée est ponctuée par de nombreuses créations, innovations. L'héritage culturel laissé par nos ancêtres est riche et varié. Et la Guinée a su préserver cette identité culturelle à travers des générations. Du bonheur partagé, des retrouvailles en famille, entre amis, entre voisins, c'est précisément dans cette perspective que le travail des artistes, que la volonté politique de rendre la culture accessible à toutes et à tous. En conclusion, je tiens à remercier tous les organisateurs de ce forum, tout en espérant que cette journée de la culture à l'avenir jouera un rôle digne de la présentation de notre pays sur la scène internationale. Je vous remercie.